J'étais justement en train d'attendre qu'il tombe quelques flocons. Et je me suis rendu compte de quoi? Aujourd'hui, je vous présente trois exercices à faire avec une luge qui est de la neige ou pas. C'est parti pour une bonne glissade sur la piste noire. Après 5 à 10 minutes d'un échauffement musculaire et articulaire, on attaque le premier exercice pour travailler la partie supérieure du corps, mais également la sangle abdominale. Ici, main à l'extérieur de la luge, on réalise une pompe pour travailler la poitrine, l'arrière des bras, les triceps et l'avant de l'épaule, puis un glissé vers l'avant qui va engager les abdos et également les grands dorsaux. On va inspirer sur la descente de la pompe, tête en avant des doigts, expirer en remontant, inspirer en avançant la luge, expirer en ramenant. Légère évolution, réaliser la pompe sur les pieds pour encore plus d'engagement en ajoutant du poids de corps dans l'exercice. N'oubliez pas de bien serrer votre sangle abdominale sur cet exercice. Deuxième exercice, un grand classique. Le pied avant à plat, le pied arrière dans la luge avec 10 cm de poudreuse. La glisse est tout simplement parfaite. Le mouvement de la fente. On s'attarde à fixer un point devant soi pour maximiser son équilibre. Le genou de la jambe avant va chercher un angle à 90 degrés en restant dans l'axe des orteils. On inspire en descendant, on souffle en remontant. Et attention à la boule! Wallé! Enfin, dernier exercice. Pour la sangle abdominale, on va travailler à la fois le grand droit de l'abdomen, les tablettes, mais également les obliques avec le twist. On inspire lorsque l'on part sur le côté, on attrape un petit peu de neige, on fait une bonne boule bien compacte, on part en arrière pour prendre de l'élan et tchoua ! Comme vous le voyez ici, évolution, les pieds légèrement soulevés du sol. Chaque exercice peut être réalisé sur 3 à 5 séries, entre 10 et 20 répétitions en prenant une trentaine voire 45 secondes de récupération. Et bien voilà, aujourd'hui je vous ai présenté 3 exercices à réaliser avec une luge, avec quelques adaptations. Et je suis sûr que vous qui allez régulièrement au sport d'hiver, en y réfléchissant un petit peu plus, vous êtes capable de trouver d'autres exercices. Et moi ce que je vous propose, non seulement c'est de vous abonner à cette chaîne Radix Fitness Romain Fauvé Coaching et à cliquer sur la petite cloche des notifications et surtout à liker cette vidéo et en commentaire à me proposer vos suggestions. J'attends également vos retours pour les personnes qui ont essayé de pratiquer ces exercices. Pourquoi pas m'envoyer même une petite photo personnalisée. Ce que vous pouvez faire également en allant lire dans la description de cette vidéo, c'est cliquer pour télécharger mon e-book des 20 meilleures habitudes, forme, santé et bien-être by Radix. Et également de rejoindre le Radix Club privé perte de poids, remise en forme et motivation pour femmes. Un groupe 100% gratuit dédié à la remise en forme pour les femmes qui souhaitent eh bien, se reprendre en main. En attendant, eh bien, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous fais le cri de guerre pour terminer. Radix, 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 aïe, aïe, aïe.